Hey, je suis tellement content que t'aies accepté de me laisser dormir chez toi ce soir, Christian. C'est tellement le fun. Ouais, on s'amuse, c'est fou. Mais en même temps, j'arrive pas à croire que j'ai perdu mes clés de maison. Ouais, faut croire que j'étais destiné à dormir ici ce soir, hein. Tu sais, Christian, tu peux dormir dans le lit, là. Il y a de la place en masse. Non, non, c'est beau en tout, se garder une petite gêne. Déjà que tu veux que je dorme avec toi parce que t'as peur de dormir chez d'autres personnes. Ok, comme tu veux. Hey. Quoi? Bonne nuit. Ouais, bonne nuit là. Christian, est-ce que t'entends? Ouais. C'est quoi? On dirait de la musique. Ben, vas-y. Ok, mais tu penses avant moi. Bizarre. Ben, c'est peut-être un fantôme, Christian. Oh mon Dieu, t'imagines si c'est un fantôme? Hey, j'ai vraiment peur. Ben, c'est ça, j'ai lu sur internet que pour faire peur au fantôme, il fallait lui dire qu'il était pas mort. Vas-y, Christian, dis-lui! Je me mettrais pas à parler à un fantôme, là, Anto. Tu crois pas au fantôme? Non, je crois pas au fantôme. Ah oui, Christian, fais-le partir! Le fantôme, t'es pas mort. Même si t'es un fantôme, ben, t'es pas mort. Monsieur le fantôme, vous êtes mort! Bon, enfin! Ouais, là il est parti. C'est vrai, c'était le contraire. Il fallait dire qu'il était mort. Est-ce que t'as entendu, Christian? Hey les gars! Hey, je suis vraiment désolé, j'avais aucune autre place pour dormir cette nuit. Puis en plus, je pense que j'ai perdu mes clés de maison. Enfin bref, j'ai pensé à venir ici, puis... Ah oh, oui, c'était moi pour la radio tantôt. Je savais que vous étiez assez con pour penser que c'était un fantôme. les gars, ça va? Non mais, c'est parce que... T'es mort? Puis, on a même une photo de toi dans le cercueil. Oh mon Dieu!